prix de Rennes avec un total de moins 9. Peux-tu nous expliquer ces trois belles journées? Alors j'ai vraiment eu un bon jeu au cours des trois tours, un grand jeu assez bon. J'ai eu un putting assez moyen les deux premiers tours parce que j'ai trouvé que les greens étaient vraiment vraiment compliqués, ils roulent énormément, ils sont fermes. En plus ils ont un peu changé les conditions météorologiques. Et aujourd'hui ça a été beaucoup plus dur au début, j'ai pas très bien démarré, j'étais vite au-dessus du par. Et j'ai eu la chance de faire deux bons birdies au début du retour qui m'ont remis dedans. Et un bon eagle au 14 qui m'a vraiment vraiment lancé ma fin de partie. Et ensuite j'ai été suivi par des copains à moi sur le 17-18. Et au 18, j'ai vraiment fait un très bon deuxième coup qui m'a permis de faire un autre eagle pour partir en playoff. Et ensuite en playoff, ça s'est bien goupillé. Et au bout du compte, j'ai gagné, donc je suis vraiment content. Pas trop de stress au playoff? Un peu, si, au premier. Au deuxième trou, ça allait, mais au premier trou, c'était un peu compliqué. Le premier coup, il est toujours dur à taper. Et ton programme golf de fin d'année? Là, du coup, je vais aller à Lille pendant une semaine m'entraîner. Ensuite, j'ai Chamonix dans 10 jours. Le Touquet et ensuite on finit par PACA normalement chez les messieurs, donc c'est vraiment sympa pour finir, c'est des grosses catégories, donc je suis vraiment content. Une belle fin d'année. Exactement, une fin d'année parfaite. Merci Hermès. Merci beaucoup. André Lefebvre, bonjour, bonsoir. Tu viens de remporter le Grand Prix de Rennes avec un total de plus 5. Explique-nous tes trois jours. Bah, j'ai fait trois tours corrects, j'ai surtout fait un très bon deuxième tour, mais c'était un peu plus dur les autres jours, mais j'ai pas fait beaucoup d'erreurs, du coup je pense que c'est ce qui m'a aidé. Et ta fin de saison? Là il va me rester quelques tournois, donc championnat de France par équipe et jeune. Et sinon je sais pas trop, mais je vais faire peut-être quelques grands prix en plus. Merci Ambre. Merci.